Yo les gens, ici Rapistan 250, on se retrouve pour une vidéo sur On The Road sur PlayStation 4, donc c'est parti. Petite livraison, on va partir aujourd'hui de Stuttgart, on va aller jusqu'à Francfort. Donc on a quelques livraisons, donc on a 4 livraisons de palettes, donc 1, 2, 3, 4 livraisons de palettes. On a une livraison de pain, une livraison de fruits, 2 livraisons de chiens, de voiture pour chiens. On a des fruits d'exploitation et des jouets pour chats, tout ça pour Brutto Discount Francfort. Donc c'est parti, je vais fermer mon camion, on va y aller. Donc je vais tout charger au préalable. Voilà, donc là je suis à la manette pour l'instant. Je me mets juste au volant quand je démarre mon camion. Donc c'est parti, je démarre le camion. Le chronotatigraphe est activé, normalement je ne me suis pas trompé. On a 261 km à faire. Franchement, il devrait marcher, j'espère qu'il est activé. Ah non, pas bien activé du coup. Alors, prenez le tatigraphe. Ah oui, insérer la carte. Normalement, c'est bon là, non? Validé. Normalement, c'est bon là, normalement. Je suis pas trompé. Tibor en partant là. Là, c'est bon, on est bien dans le temps. Donc là, on va enfin faire une nouvelle vidéo en journée parce que ça fait plusieurs vidéos que je vous faisais la nuit. Donc voilà, ça dépend pas de moi. Hein. Alors du coup, est-ce que je peux y aller ou pas? Je pense que je vais y aller, je vais anticiper le truc. Je vais prendre le pli, on va dire. J'ai bien fait, il n'y avait personne. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai dit bizarrement aujourd'hui. Je dois être un peu alcoolisé. Voilà, c'est parti, on y va. Par contre, il faut que je touche mon bouton. Il est là, mon bouton. Ok. Bon, on va pas s'arrêter, on va pas perdre de temps sur ça. Ah merde, j'ai pas vu. Ah normalement ça devrait passer normalement. J'ai pas fait attention à mon chargement derrière, si ça passait ou pas. Donc prochaine match, c'est pas con. J'espère que ce sera la semaine prochaine. A mon avis pour cette semaine c'est mort. Je vous avais dit soit une ou deux semaines pour la prochaine match. Là on n'a pas de nouvelles donc c'est mort, ça va être sûrement la semaine prochaine. Ou peut-être la semaine d'après, je sais pas du tout. Frère, il y a un radar. Je pense que c'est un radar, mais je pense que oui. Tout droit, je peux me mettre par là, ouais. Pour aller tout droit, je peux me mettre par là. Je vais mettre soit là ou à côté, quoi. Je regarde juste parce que j'ai eu un message. C'est qui m'a encore envoyé un message? Non. Ah, il m'a envoyé un message, mais il faut que je voie après. C'est un message vocal, donc je verrai après. Allez, c'est parti, on y va. On accélère. Là, j'ai pas mal de vidéos à vous publier aujourd'hui. Alors, cette vidéo-là arrivera que demain, du coup, parce que bah, j'ai pas mal d'autres vidéos à vous publier. J'ai du Genshin Impact, Gran Turismo, j'ai une bus simulateur, pas bus simulateur, mais PC Building à vous publier. Donc, j'aurai pas le temps de publier celle-là aujourd'hui. Donc, cette vidéo-là arrivera que demain. Et demain, c'est le grand jour vaccination. En espérant que ça change la vie. À main quand même. Ah merde, il est déjà vert. Non, ah non, je pensais qu'il était de vert. Non. Allez, avance là. Ah non, me dis pas que je vais devoir me taper les rouges. Ah bah voilà, je vais devoir me taper les rouges. Tant pis, on va taper les rouges. On va respecter les choses. C'est vrai que le seul petit bémol sur le volant, je pourrais dire, c'est que les pédales qui sont pas... j'aurais pu faire un système de ventouse. Parce que là, c'est chiant, je l'ai bloqué du coup. Sous ma table basse, je l'ai bloqué avec une boîte pour qu'il recule pas trop loin. Parce que s'il recule trop loin, bah, au fait, moi, je peux pas atteindre les pédales. Donc, je suis fait un système comme ça provisoirement, mais... Là, sur le tétoi, c'est mon volant, parce qu'il commence à être pas dégueulasse, mais... Mais c'est mes mains qui sont collantes, peut-être. Il commence à être collant, le volant. Mais à Raphaël Nadal, on n'a pas de jingle de Raphaël Nadal. Il a 84 ans aujourd'hui.
Par contre, j'ai un peu monté le son du jeu. Vous me direz si c'est pas trop fort. C'est pour que le snow, genre, baisserai le son du jeu, mais j'ai monté un petit peu le son, tout ce qui est clignotant, tout ça. Donc, c'est pas qu'on entend pas trop. C'est pas trop bruyant, on va dire. Sinon, la prochaine vidéo, j'en mettrai le son d'origine à 80%. Là, je l'ai mis à 100% parce que quand je suis en live, souvent, j'entends pas trop le bruit du camion. Donc, moi, j'ai bien entendu le bruit du camion, donc. Merde, le con, qu'est-ce que je fais, moi? On va essayer de faire un peu moins con, là, parce que là. Allez, c'est parti, on va se caler à 80. On va essayer de se caler à 80, on va attendre qu'on aille à 80. Et on va se caler à 80. Ah, j'ai les mains qui collent, ça m'énerve. Les mains toutes collantes. Attends, je vais mettre juste pause. Hop. Je vais mettre pause, je reviens. Je vais aller pour 30 secondes. Donc voilà, voilà, donc désolé, j'avais l'impression d'avoir les mains qui collent à chaque fois, c'est chiant d'avoir cette sensation là. C'est un peu casse-couille, je trouve. Donc là, ça va, je suis lavé les mains, puis j'ai mis un petite crème là pour. Là, je trouve que c'est chiant d'avoir l'impression. À mon avis, c'est la chaleur qui fait ça. Comme il fait super chaud en ce moment. Bah, hier, on a eu une super journée. Il a fait beau jusqu'à les 15h, après il a plu. Mais il a fait trop lourd d'un coup, c'est ça, c'est chiant. C'est chiant dans ma région, c'est dès qu'il fait trop chaud, bah, ça pète quoi. Il y a l'orage directement, donc c'est un peu chiant quoi. Donc là je suis tranquille, j'ai mon temps de route, il est bien, j'ai mon carburant qui est bien, donc franchement je suis tranquille aujourd'hui. Donc je sais pas encore ce que je vais faire comme trajet dimanche. Je pense que je ferai peut-être un Berlin jusqu'à je sais pas où, on verra bien, mais voilà quoi. On fera la route que je suis. Si je suis à tel endroit, bah, je ferai à tel endroit, on va voir. On essaiera de faire un truc bien quoi. Donc je serai en live dimanche matin. Alors je sais pas avec qui pour l'instant. Je crois qu'il y a un abonné qui m'a dit oui, je serai présent. Mais pour l'instant je sais pas encore combien de personnes qu'il y aura. Donc de toute façon maximum ce sera moi plus. Admettons, maximum c'est moi plus 3 abonnés. Donc ça pas plus parce qu'après je veux pas que c'est trop de bordel dans le chat, que ça parle de tous les sens et on comprenne plus rien quoi. De toute façon, je pense que quand j'aurai fini cette vidéo là, il va être 11h, je vais peut-être pas pouvoir aller manger parce qu'il est presque 11h déjà, parce que celle-là va être finie dans une demi-heure à peu près. Je roule pas très bien là. Donc, comme il n'y a personne à côté, je prends un peu large. Pour être tranquille, on va dire. Enfin, après, je prends un peu les virages larges.
Donc on a 200 quelques kilomètres à faire, donc on est tranquille. Pour ça, va aller assez vite normalement. Sur l'autoroute, les kilomètres, vous voyez les défilés. Faudra que j'essaie, c'est d'acheter un truc pour protéger le volant, vous voyez, comme les trucs de vrai volant, les trucs en plastique qu'on peut mettre sur le volant. Après, moi, je m'en fous qu'on puisse pas appuyer sur L2, R2 sur le volant. C'est pas le truc qu'on a besoin, quoi. C'est juste pour accélérer puis freiner dans les jeux. Hein. Voilà, pour acheter un truc du diamètre du volant. Pour pouvoir protéger le volant, quoi. Un camion va rouler à... Oh là là. C'est ça qui est chiant aussi, faut qu'il fasse un truc, regardez. Je me fais doubler dans la côte. C'est le même camion combien ? Moi, mais le camion, il a plus de patates que moi. C'est pas normal, ça. Mais le mec, il a pas de mal à monter dans la côte, hein. Moi, j'en chiche pour comme je sais pas quoi. Donc ça, faut qu'il fasse un truc, hein, Aerosoft. Hein. C'est pas... C'est chiant, je trouve. Oh bah voilà, d'accord, l'autre il m'a percuté quoi. La brotive. J'espère qu'il va y avoir une démo de F1 2021, j'espère. Je vais essayer de l'avoir. Je vais tout faire pour essayer de l'avoir, mais si je peux pas l'avoir, tant pis. Mais je vais tout faire pour essayer de l'avoir, F1 2021. Pour le proposer sur la chaîne. Je crois que sur Amazon, je l'ai vu à 59, je crois que j'ai regardé, mais je vais mettre pause, mais je crois que j'ai vu à 59 à Amazon. Je suis pas sûr, hein. Mais faut que je regarde, mais je crois que je le prendrai sur Amazon, sinon. Amazon. F1 21. PS4, voilà, il est à... De, attendez, PS4, il est où, PS4? F1 21, PS4. Il n'y a même pas un Fer 21. Bah, comment ça se fait? Il sort pas sur PS4? T'as raconté, oui. Bah, tu mets PS5, il va le trouver. Ah non, il trouve plus. Ah, mais c'est F1 21. C'est F1 21, peut-être. F1 21. La merde, il y est pas. Je vais mettre juste F1 2021. Ouais, sur Amazon, il n'y est pas. Ah oui, PS4. Mais il n'y est pas sur PS5. Et PS4, il n'y est pas. Sur Amazon, ils ne vont pas le vendre, à mon avis. Alors, je pourrais mettre à combien, mais dans les prix... Attends, il y a moins qu'on peut peut-être aller... Sur PS5 et puis... bah voilà, PS4, voilà. 54. Bon, il est à 54 balles. Donc, je pense que je vais le prendre sur Amazon. Si mes parents, mon anniversaire c'est très bientôt, là c'est le 11 juin, donc si mes parents me donnent des thunes, je précommanderai sur Amazon. Je dirais que je précommande sur Amazon. Comme ça, je recevrai le jour de la sortie. Je pense que je vais faire ça. Ça, si je peux vous proposer du F1 sur la chaîne, ce serait bien. On verra, je vais essayer de voir. C'est moyenné ça là. Bon, souvent ils font tout le temps un cadeau, mes parents sont contents, sont contents. Ils sont généreux sur ce coup-là, même ma copine elle a eu de l'argent pour son anniversaire. Donc voilà quoi, ils sont généreux sur ce truc-là, ils sont pas radins quoi. Malgré que j'ai une quarantaine d'années, il faut quand même des cadeaux. Quoi. C'est sympa quoi. Les dernières, bah, c'est grâce à eux que j'avais pu me prendre... comment il s'appelle Non, c'était pas un jeu que j'avais pris. Plus que j'avais pris les dernières avec. J'avais dû me prendre un jeu, je crois. Je sais plus c'était quoi comme jeu. Là, j'ai les mains moins qui collent. Je suis levé la main, plus du gel hydroalcoolique, et puis là, ça nettoie bien, quoi. Donc là, on est toujours sur l'autoroute, mais on rattrécit d'une voie, de deux voies, je veux dire.
Donc après, j'ai vu la preview de DiPiello qui parlait de F1 2021. Donc à mon avis, ils ont fait, d'après ce qu'il a dit, ils ont fait un style un peu comme FIFA avec Alex Hunter, quand on joue à FIFA et qu'on fait le mode Alex Hunter, c'était vraiment sympa, je trouve que c'était classe. Mais ils ont fait un peu un style comme ça sur 3 saisons de Formule 1. Mais apparemment, ils disent que ça dure que 6 heures. Donc ça dure pas longtemps, quoi. À mon avis, on fait pas toutes les courses. Après, il y a plein de trucs, ils ont dit qu'il y aurait 21 courses dans le jeu, mais il y aurait plein de grands prix qui seront pas dedans. Et apparemment, le graphique c'est le même. Oui, le graphique sera pas meilleur que sur PS4. Bah, que sur PS4. Que sur la version précédente, c'est le même moteur graphique. Et il y aurait pas. Il y aurait plein de trucs qui seront différents. Déjà, apparemment, le HUD là, avec le nombre de vitesses, à combien vous roulez, tout ça. Bah, en fait, il est moins bien. Il trouve moins bien, moins beau. Il était bien, c'était qui m'a. L'année dernière, il était classe. Et là, il est moins bien, à mon avis. Parce qu'il disait, il était moins bien, il trouvait ça moins bien. À moins qu'il corrige. qu'il corrige avec les critiques des gens qui reviennent à la version précédente, mais je sais pas. Faut sortir là, du coup, déjà. Ah ouais. Ah bah oui, Francfort. Franchement, c'est vraiment sympa. Voilà. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Surtout sur F1, si vraiment le jeu il est vraiment clair, parce que j'ai essayé fin 2020, ça marchait au volant. Donc par contre, on va poser la question la dernière fois, si le jeu était compatible sur F1 2013 et 2014. Donc oui, ça devrait être compatible, parce que c'est sur PS3, le volant est compatible PS3. Mais bon, voilà quoi, franchement... quand j'ai vu ces questions-là, je me dis, il y a encore des gens sur PS3 qui jouent sur PS3, quoi. Après je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une PS4 quoi, parce que là, souvent c'était des enfants, tout ça, et, voilà, les parents ne veulent pas mettre 300 balles dans une console quoi. Donc moi ça va être à grâce à vous si je me prends la PS5, quand je vais m'acheter la PS5, ce sera à grâce à vous avec mon revenu YouTube. Donc je vous en remercie encore, hein, franchement. Je suis en train d'économiser petit à petit. Donc là j'ai à peu près 500 € pour l'instant pour la console. J'ai assez pour mal acheter, mais j'attends. Voilà, c'est pas parce que j'ai ma somme pour m'acheter la console que je vais l'acheter tout de suite, quoi. Moi, j'attends Gran Turismo 7. Encore pas Gran Turismo 7. Tu n'as pas l'intérêt d'avoir la console, parce que bah voilà, quoi. Tu t'accélères un petit peu plus que là. Ça avance pas, quoi. Vous voyez, ça recommence, ça bug dans la côte, je suis à 60, quoi, c'est pas normal ça. Faut vraiment qu'ils fassent un truc, alors ça, parce que c'est vraiment. Ça bousille un peu l'expérience de jeu, quoi. Ce camion, il avance pas. Pareil, j'espère qu'ils vont faire un. Il y a des gens qui avaient posé la question, mais je pense qu'ils le feront pas. Je pense pas qu'ils vont le mettre, plus mettre le régulateur à 90, quoi. On va essayer d'accélérer un petit peu plus. Pour gagner un peu de temps, dès qu'on va être dans les 20 km à peu près, quand on sera dans les 20 km, on va essayer de ralentir un petit peu. Voilà, attendez, c'est pas normal. Le camion, des fois, il roule à 60, et là, on est à plus de 110. Non, mais c'est pas normal, ça. Faut qu'il... Ben, je sais qu'on est dans une côte, mais c'est pas une raison. Vous voyez, ça y est, ça repète. Voilà, vous voyez, le moteur, il monte plus. Non, mais c'est vraiment abusif, quoi, le jeu, franchement... Faut qu'il fasse un truc sur ça. Et en plus, ça a été remonté plusieurs fois sur l'image. Sur Facebook, ça arrête pas de le dire. Les gens, ils disent, ouais, c'est normal qu'en côte, on en chie pour monter les côtes, quoi. Oh, merde.
Comme ça, je suis fatigué, le petit m'a réveillé ce matin. Bah, tiens, j'ai dû porter ma fille à l'école. Demain, ça va. Franchement, c'est pas moi qui la porte, normalement. C'est la mère qui la porte. Attends, regardez! Je suis à 50 km/h, hein, c'est quoi ce bordel? Je veux bien que le jeu fasse réaliste avec les montagnes russes, mais bon, voilà quoi, c'est pas une raison. Là, ça va accélérer, est-ce qu'on va être en pente? Je vais toucher. Il n'y a pas photo, hein. Franchement, le man est beaucoup mieux que le Scania. On a une meilleure visibilité déjà. Regardez, je suis à 102, 103. C'est vraiment idiot. Peut-être 110, ça coûte. Qui va décoller là, le camion? C'est pas normal que ça fasse ça. 115, non mais. Puis après, là, on va y avoir une côte, on va relouer à 60. C'est vraiment idiot, je trouve. C'est vraiment un truc qu'il faut qu'il corrige comme bug parce que c'est vraiment pénible. Là, c'est vraiment. C'est pas que c'est chiant, mais c'est pénible. Parce que voilà, quoi, c'est. Ça coupe le plaisir de jeu. Parce que t'attendais, le camion, ils vont croire que c'est un. C'est un poileur de. Regardez, vous voyez, ça a accéléré, regardez. Ah, ça va accélérer. N'importe quoi. C'est vraiment idiot, hein. Franchement. Faut vraiment qu'il corrige ça. Par contre, je vais peut-être ralentir un peu parce que là. Non, c'est bon, ça le fait. Bah, cette année, normalement, sur la chaîne, si tout va bien, au niveau jeu, il y aurait voilà, F1 2021. Alors, ça, c'est avec entre guillemets. Bus Simulator, c'est sûr à 100%, je me le prends. C'est obligé. Et on aura peut-être Farming 2022 à la fin de l'année. Que je pourrais vous proposer aussi sur la chaîne. C'est un jeu que je vais me prendre aussi également. Je pense que je vous ferai pareil. J'essaierai de me le faire offrir. Je vais essayer de me le faire offrir par Noël. Et. Tout dépend du prix, sinon je le précommanderai avant. Bah, je pense pas qu'il sort. Il va sortir avant Noël, mais si je peux l'acheter. L'acheter pas très cher et puis l'avoir qu'à Noël, ça me dérange pas. Allez, 60 km encore à faire. On est déjà à 3 heures de route. Ouais. On est parti à 9h. Ça fait 3 heures de route déjà. À 3 heures pendant le jeu, mais. Pas en réalité, mais dans le jeu. C'est ça qui est nul, qu'on aura plus là. Là, mais le régulateur, ça reste à 90, quoi. Je sais que c'était 80, mais. Ça aurait été mieux, parce que 80, ça avance pas. Hein. Là, je suis même à 90, j'ai du mal à les rattraper. Oui, d'avoir une grosse différence quand même de. Ah, ça lag encore. Et Mr. Freeze qui est encore là. Mr. Freeze qui fait son retour. Alors, j'espère qu'on n'entend pas trop les. Les clés de temps qui sont pas trop forts quand même. Vous me direz dans l'espace commentaire. Ils sont pas trop forts. Ah ouais, j'entends bien, mais je baisserai un peu le son. Hein. Ça peut être pénible à la fin. Va falloir que je me rabatte, je sais même pas si je vais pouvoir du coup. Je me rabatte ou pas? Oui, je peux me rabattre. Bah, par contre, je dois remettre mon volant normal.
Oh, je suis pas trop bien conduit là, mais c'est pas grave. On est bientôt arrivé, il reste 36 km à faire. C'est vrai que j'aimais un peu plus fort le son. On dirait que c'est trop chiant, je baisserai le son du jeu. Ah, du volume, parce que moi du coup au niveau son, je vais montrer comment je suis réglé du coup. Je suis mis du coup en son. J'ai bien 100% là. IA, alors je sais pas c'est quoi son IA. Là je me suis mis à 99 au lieu de 80% et volume principal 80%. 100% au lieu de 80. Donc je pourrais me remettre plus tard mieux quoi. Vous me dites si c'est le son est pas trop fort, sinon je le rebaisserai après le son dans la prochaine vidéo. C'est juste parce que pendant les lives, souvent, bah quand je joue dans live, comme le son du live prend la priorité sur la console, bah du coup mon son du jeu est vraiment baissé au minimum. Donc on n'entend presque pas quand je joue. Donc là, je pense que j'ai gagné du temps là. J'ai bien rattrapé du temps là. Toi avec moi. J'aurais été pas mal. Par contre, c'est toujours chiant que quand vous réglez votre siège, le siège reste pas réglé. Ça, c'est un peu débile. Ah, ça y est, on arrive à Francfort. Donc c'est comme ça, hein, ça se dit. Francfort. Avec l'accent allemand. Francfort. Bon, ça se dit comme ça, mais bon. Ah, on arrive bientôt. On va devoir sortir là. Le camion comme il rame. Il rame. En coûte, il a du mal. Vous avez vu qu'il a trop du mal le camion. Franchement, il en chie quoi. C'est pas normal qu'on en chie comme ça. Hein. J'ai l'impression que les camions, on a des veaux. Ça avance pas. Il est vert ou pas? Il est vert, moi j'accélère. Là, je vais mettre le régulateur à 50. Là, on devrait pas tarder à être arrivé normalement. Alors, je sais pas du coup si la vidéo va faire plus de 30 minutes. On devrait pas être très loin normalement des 30 minutes. Faudra peut-être que je fasse un autre truc, peut-être. Mettre peut-être. Je sais pas si je peux régler, ça me semble. Mettre maximum 45 minutes, mais je suis pas sûr. Ah oh, mais après, je pense que ça va être peut-être trop gros. Comme fichier, faut la gueule comment ils font les fichiers. Allez, t'avances là. Faut la gueule comment ils font les fichiers si je mets 45 minutes. C'est après, j'ai peur que je puisse pas les copier sur ma clé USB. C'est ça le problème. Parce que si les fichiers sont trop lourds, après on peut pas les copier sur une clé USB. Ça marchera pas. Donc c'est pour ça que j'avais mis format 30 minutes à chaque fois. Petit régulateur. Là on est dans 2 cuvettes, on y est arrivé. J'ai quand même hâte de voir la customisation. Alors moi j'ai vu à peu près ce que je vais faire. Comme mon entreprise s'appelle... comment s'appelle la société? La société elle s'appelle Normandie Logistique. Donc c'est une société qui existe en vrai. Donc j'ai vu à peu près leur camion. Je n'étais pas pouvoir faire les mêmes, mais au moins je pourrais essayer de faire la même chose, à peu près. Hein. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun véhicule dessus. Pourtant il est 19h. Ah bah tenez 30 minutes, bon ça fera plus de 30 minutes du coup. Faut la gueule combien a fait la vidéo.
Alors ça, je vais le faire au volant, à la manette, parce que c'est plus facile à faire. C'est plus facile à se garer à la manette. Ah, je peux le faire au volant si je veux, mais je peux accélérer. Sinon, je peux accélérer avec les pédales et puis diriger avec la manette. Je vais faire ça au pire. Mais par contre, c'est pas évident. On va être pas mal là normalement. Hop. Donc ça y est, j'ai enlevé le bruit à la con. Là ça va, je me suis bien garé là. Cette fois-ci, je suis pas mal. Donc on a bien Audi livraison, donc pour Brutto Discount, vous voyez. Oh, je n'ai pas trompé. On va livrer toutes nos livraisons. Hop. Donc on a quand même eu 1% de dégâts, donc c'est pas méchant. Donc on a gagné combien? Je sais pas, on a gagné combien du coup. On n'a pas de récap. Oui, on a le récap, mais c'est pas terrible au fait quand vous avez le récap. Donc on a dû gagner 6000. Bon, j'ai pas calculé tout. Hein. Brutto Discount, Francfort. Ben, je vais calculer combien on a gagné. Alors on a gagné. Juste pour cette vidéo-là. Je le ferai pas dans les prochaines. Donc on a gagné 4000. 4614 plus. Ensuite on a gagné 2769 plus 3230 hop plus 3691 plus 3230, c'est ça hein? Ouais c'est ça, plus encore 3230, 3230, plus 3691, et plus, je crois que normalement il y en a encore un petit dernier, 4153, plus 6152, plus, on devrait être pas mal quand même, 6768, t'en as gagné 41528 euros, donc ça va. Pour un trajet qui n'a pas duré trop longtemps. Donc je suis à 6,5 millions, donc c'est bien. Je trouve que ça suffit largement parce que les camions, je sais pas combien ça va coûter pour la customisation, mais on va pas le faire tout le temps, quoi. Donc ça va être cool. Franchement, je vais pouvoir tout supprimer. Tout supprimer les messages, voilà. Donc moi, à long terme, je pense que même mes autres chauffeurs, je vais les virer. Hein. Je vais garder que moi en chauffeur. Je trouve que le jeu rame moins quand vous n'avez pas beaucoup de chauffeurs. Donc je vais éteindre mon camion et on va se laisser. Hop. On va tourner la caméra. Je trouve que là, ça rame pas trop, je trouve, par rapport à la caméra. Alors, un petit peu, ça rame quand même, parce que ça rame toujours, mais... Bon, je vais juste éteindre mon camion. Voilà. On va enlever la carte. Et on va éteindre les phares. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si bye bye, portez-vous bien. Peace.